Vous recherchez une lampe de lecture, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures lampes de lecture qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc, quels sont les avantages d'utiliser ce type de lampe? Premièrement, ça permettra d'améliorer la visibilité. Vous aurez vraiment une lampe qui va éclairer directement le livre, les pages, et donc vous aurez moins à plisser les yeux, vous verrez mieux le contraste de l'encre sur le papier, et donc si vous avez certains problèmes de vue ou que vous savez que ça vous irrite un peu les yeux, que vous voyez assez mal avec votre lumière de base de votre pièce, de la chambre, ou peu importe, ce sera un super avantage. C'est très important de prendre soin de ses yeux, donc ça va vraiment un petit peu les protéger indirectement. Ensuite, c'est une lumière assez douce, hein, donc ça ne va pas non plus vous agresser les yeux, ça ne va pas vous perturber avant de dormir, etc. Pour favoriser l'endormissement, c'est un bon point. Ensuite, ça vous permettra aussi de ne pas déranger simplement si vous avez un partenaire que vous vivez avec, qui dort à côté de vous. Peut-être que lui, il n'a pas envie d'avoir une lumière qui l'empêche de s'endormir. Et en tout cas, une lampe de lecture, ce sera évidemment beaucoup moins désagréable qu'une lampe classique, même une lampe de chevet, puisque ça va simplement éclairer le livre et non pas toute la pièce. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'avantages. En plus, ça consomme moins d'énergie que laisser une lampe classique. Donc je vais vous présenter différents modèles aujourd'hui, les mieux notés par ordre de prix décroissant. Et bien sûr, si vous souhaitez commander un de ces produits, il y aura tous les liens dans la description de la vidéo. On va commencer avec le modèle Glocus, lampe de lecture. Donc c'est un modèle, cette fois c'est une lampe, ce qu'on appelle une lampe de cou, c'est-à-dire que ça va se poser au niveau de la nuque, un petit peu comme un casque une fois qu'on le pose sur sa nuque, qu'on ne l'utilise pas. Il y aura 4,6 étoiles sur 5 en moyenne, sur plus de 86 000 évolutions, donc c'est assez énorme, hein. C'est de loin le modèle le plus populaire de cette sélection, c'est assez choquant. Alors ça s'utilise bien sûr pour la lecture, mais ça pourra même être utilisé pour certaines autres utilisations, le tricot, la réparation ou autre. Vous aurez 3 couleurs de lumière et 6 niveaux de luminosité réglables à adapter en fonction de la situation pour vraiment que ce soit très bien adapté à vos yeux pour lire dans les meilleures conditions. Ça fonctionnera sur batterie, vous pourrez le recharger, mais ça utilise assez peu d'énergie, hein. C'est des petites lampes. Donc vous aurez une autonomie, si vous ne mettez pas le niveau maximum, qui pourra aller jusqu'à 80 heures, ce qui est assez impressionnant. Donc ça permettra de prendre soin de vos yeux. On a un design très ergonomique, évidemment elle est très légère, ça ne va pas vous appuyer, hein, sur la nuque. On aura un angle qui pourra être réglé vraiment pour que ça ne gêne pas les personnes donc à proximité. Donc ça peut vraiment être un très bon choix si vous lisez au lit le soir, que vous avez envie de ne pas avoir une lumière, aussi une lumière bleue qui vous empêche de vous endormir après, que vous avez envie de pouvoir bien y voir et pas avoir mal aux yeux, etc. C'est un bon produit qui coûte assez peu cher. Voilà, les lampes de lecture, c'est pas très coûteux. Donc vraiment, pourquoi pas, il y a plusieurs couleurs. Vous pourrez voir ça plus en profondeur en passant par le premier lien en description. Une deuxième que je vous présente qui est très intéressante également, c'est la Vecchia lampe de lecture. Donc celle-ci fonctionnera avec un clip qui va donc s'accrocher directement à votre livre. Donc ça pourrait être pratique également. Vous aurez juste à accrocher ça et ensuite vous pourrez tourner les pages et tout simplement avoir de la lumière, des LED, 14 LED directement sur le livre. Et donc vous y verrez vraiment très clairement, le contraste sera bien présent et vous aurez très peu d'efforts à fournir avec vos yeux pour pouvoir déchiffrer le langage du livre. On aura une tête d'éclairage extensible avec différents réglages au niveau évidemment de la luminosité pour s'adapter à vos besoins. C'est super léger, design à clipser, c'est très facile, avec une batterie rechargeable qui sera puissante. Pareil, on est sur du 80 heures environ. Et au niveau des évaluations, je crois pas que je les ai dites, mais on a une moyenne à 4,8 étoiles sur 5 sur presque 8000 évaluations. Donc ça veut dire que la très très grande majorité des gens qui sont allés vers ce produit ont mis 4 ou 5 étoiles. Donc c'est vraiment le produit le mieux noté sur le marché.
Et c'est un point très très positif. Donc voilà, si vous préférez un modèle qui se clipse comme ça peut clairement être le meilleur choix. Et on va terminer avec une dernière. Donc c'est plus ou moins le même principe que le modèle précédent. Sauf qu'il y aura un peu moins de puissance d'éclairage. Il n'y aura que 9 LED. C'est la Gritin, ou la lampe de lecture. 4,7 étoiles sur 5 cette fois-ci. Ce qui est excellent aussi. Sur plus de 17 000 évolutions. Le prix aussi plus bas. C'est le modèle le moins cher de la sélection. Donc c'est quand même assez avantageux. Encore une fois, il y aura un réglage possible de la luminosité, des couleurs. Donc quand on parle des couleurs, c'est pas que vous pourrez mettre en. De toutes les couleurs, mais c'est qu'on a trois couleurs donc au niveau des Kelvin par rapport au blanc. Donc vous aurez un blanc froid qui se rapproche un petit peu du bleu, ou alors un blanc chaud qui va se rapprocher du jaune hein, au final, en fonction de vos préférences. Il y aura encore une fois une batterie, ça peut être orienté comme vous voulez pour bien s'adapter à la situation. Et ça pèse que 64 grammes, donc ce sera très léger. Et on a évidemment des très bonnes classes énergétiques, ça consomme très peu. Donc c'est aussi un choix intéressant à la fois au niveau du prix et des fonctionnalités. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures lampes de lecture qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous en description de la vidéo. Donc si vous souhaitez commander un des produits présentés ou aller voir plus de détails, d'infos, voir les prix exactement, etc., eh bien cliquez sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.